À Sofia, il y a plein de places où tu peux voir des bâtiments totalement différents, n'est-ce pas? Tu as des petites maisons, du coup, à côté, tu as un grand bloc des temps communistiques. Après, tu as un bâtiment très moderne. Et je dirais que les Bulgares sont comme ça. Ils essayent des différentes choses. Ils cherchent tout le temps. Ils sont pas décidés à qui ils sont. Il y a plein de contradictions, mais on peut trouver les raisons de ces contradictions dans le passé, je dirais, dans l'histoire. Ce que j'aime bien, c'est que les Bulgares sont assez ouverts au niveau des contacts individuels et c'est facile à parler avec les gens, à avoir une petite conversation sur la rue ou sur la station du métro, quelque chose comme ça. Ouais, je trouve le jeu très bien. Il me semble qu'il y a vraiment peu du monde en Bulgarie qui savent que la Bulgarie est considérée comme un pays francophone. Peut-être les institutions françaises en Bulgarie pourraient avoir un peu plus d'initiatives qui pourrait rappeler aux gens qu'en Bulgarie, il y a des bases d'un pays francophone. Il y a beaucoup du monde qui parle français, mais peut-être que ce n'est pas bien développé en ce moment.